turn down paper. Going to a good cause, me. Call Jackson, remember that. Ah, you don't need it no more, huh? J'ai toujours les yeux qui collent. J'attends passif, rêvant encore le bus à direction de l'école. Tous les matins, c'est la même chose. Le même train. Oh, look at all this paper. Man, I hope that was the shit. Hey, what shit you claiming, dog? You're blocking traffic! Personne n'ose croiser le regard de personne. Chacun fixe son attention sur un endroit quelconque pour toucher pied. Aux inconnus, nul n'adressera jamais la parole. Ils l'ont dit à la télé. Méfiez-vous de l'insécurité. Personnellement, j'y crois moyen. Que j'ai rencontré des spécimens que désormais je ne peux plus quitter. Des voyageurs téméraires comme moi, j'en ai connu quoi ? 5 tout au plus. Mais nos bavardages matinaux nous occupaient pendant le trajet. Plus petit, j'aimais deviner sur les visages ce que pensaient les gens. Celui du jeune homme assis, qui voit au loin une dame âgée entrer, qui prépare le terrain tout d'un coup et s'exclame poliment « Madame, voulez-vous vous asseoir? Cette place, je vous la laisse bien volontiers. » J'ai bien aimé l'hiver et les vitres couvertes de buée sur lesquelles on dessinait frigorifiés comme des glaçons et des conducteurs qui, en même temps, terminaient en sorte de faire d'avancer dans et la sueur qui pleure sur l'impeccable. Je me souviens que ces gens me regardaient de leur voix. Le bonhomme insouciant, proche de l'extase. Il y en a des souvenirs qui s'entassent dans un coin de ma tête. Dans un tel lieu qui pourtant est plus étroit qu'une petite lettre. Mais difficile de contrôler la mémoire.